Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve pour la suite de l'aventure dans Spiritfarer. Alors, avant de commencer, je précise, je tourne cet épisode avec un nouveau casque micro, donc n'hésitez pas à me dire si eh ben, le réglage ne vous va pas. Je corrigerai ça dans les épisodes suivants. Avant de commencer, également, on a une super nouvelle. La mise à jour Jackie et Daria a été annoncée et elle arrive très bientôt puisqu'elle arrive le 13 décembre. Donc, dans quelques épisodes, eh ben, on aura cette mise à jour. Ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer Jackie et Daria dès le 13 décembre, hein, parce qu'on est encore assez loin dans l'aventure. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils ont été rajoutés, sachant qu'ils ont été rajoutés visiblement dans une nouvelle île. Donc on verra ça, eh bien, très bientôt. On va tout de suite aller voir où on en était. C'est parti! Alors visiblement, on était de nuit, pas de chance. Enfin bientôt. Donc on a toujours Bruce et Mickey qui veulent qu'on aille au sommet Brunoir. On a Atul qui veut qu'on fasse un repas avec nos amis. Donc j'ai vérifié le tataki de thon, il faut du thon et des légumes. Donc effectivement, le tataki de thon va falloir qu'on aille chercher du thon. On a Astrid qui veut nous quitter. On a les expériences de Stanley à faire. Et Gustave qui a besoin de nous pour l'horloge maxi minimaliste. Et on a également des gens qui ont des petites quêtes à nous donner. Alors déjà, il y a notre cher Francis. Ça va pas être la priorité, on va faire ça pendant qu'il va faire nuit. Je vais monter un petit peu le son, j'ai l'impression que le son est assez bas. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Alors, mon poussin, j'aime bien être sur ce bateau. Je me demandais, est-ce que ce serait possible de me construire une maison? Tu te souviens, les enfants, David et moi, on vivait sur une ferme, avec de la nature partout autour. Nous avions des chiens et des chèvres. C'était une petite ferme confortable. C'était pas beaucoup, mais c'était à nous. Oh, ma petite ferme, c'est exact, juste là. Bon, du bon boulot encore une fois. Tout le monde n'est pas habile avec les maisons. On dirait que notre chère Beverly a quelque chose comme Alzheimer, puisqu'elle se souvient pas qu'on lui a fait une maison. C'est triste, hein. Donc Francis a des quêtes, je vais peut-être monter un petit peu trop. Enfin, pas pour vous, j'ai l'impression. Je vais vous remonter un petit peu. Donc Francis dit, c'est notre jour de chance. Il a une nouvelle course toujours pour nous. On peut y jeter un œil. Donc on a ça. J'aime me beurrer la biscotte. En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir de musique. Alors que j'ai pas touché à la musique, ça me perturbe. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, il n'y a pas spécialement de choses que j'ai envie de donner. Le blé, je me souviens qu'on est un petit peu ric-rac. Je pourrais donner ça, du pulsar et de la comète. Ça fait déjà un petit peu de sous de prix. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'on achète? On peut lui acheter des graines. Je pense qu'on est pas mal ici. On va lui vendre notre carte à collectionner. Notre collection de vieilles monnaies. On vend pas notre permis bovin. On vend nos expériences ratées et notre vieux tapis. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas de la nourriture carbonisée? Non, on n'a pas de nourriture carbonisée. Donc. Voilà. Par contre, du coup, je vais lui acheter eh ben, son vieux soulier.
Voilà, j'ai osé acheter un vieux soulier pour pouvoir faire l'expérience de Stanley, hein, même si à mon avis... Même pas, on n'en a même pas eu de vieux souliers là, donc... Donc comme ça, c'est fait, hein, c'était pas très cher. Un oignon, un seul, c'est radin. Je vais en replanter un. Alors j'ai vu que Beverly nous appelait, mais du coup il est nuit donc elle a dû aller se coucher. Nous on va aller s'occuper de notre soulier qu'il faut fondre ici, bien évidemment. Voilà. Je peux redonner un petit coup. Pas mal. On a eu de la colle. Moi, ça va faire avancer notre histoire. C'est parfait. Je vais en profiter. Je vois qu'on a des choses à ramasser ici. Des choses à ramasser là. On a des poules qui caquettent pour nous dire qu'il y a des œufs à ramasser. 5 œufs. C'est pas mal. On avait des améliorations à faire. On avait eu des améliorations de matériaux, de bâtiments. Je vais y arriver, je vais trouver le mot, hein. Je me semble qu'on a eu la stalle à vache à améliorer. C'est ça. Alors, il nous manque de la potion d'expérience et du tissu de soie. Alors, autant le tissu de soie, on peut en faire, autant de la potion d'expérience, on peut pas. Parce qu'on sait pas du tout comment ça se fait. Ça va venir. Le corral à moutons, on n'a pas le plan. Chez Gustave, on a l'horloge à faire. Des lingots d'or, des feuilles de cristal et des fleurs d'œil d'or rose. Bon, c'est des choses qu'on va pouvoir trouver. Chez Bruce et Mickey, on avait fini. Chez Beverly, c'est où chez Beverly? Alors ça c'est le truc avec les transparents. Planche de pain, feuilles d'électrum. C'est peut-être faisable, je suis pas sûre qu'on ait de planche de pain. Je la vois même pas à la maison de Beverly, parce que c'est pas ça. On lui a pas fait en fait sa maison. On est des gros nuls. Construire. Si, ferme de Beverly. Ça ressemble à ça. Ah oui, ben, on était juste devant en fait. Donc, la maison de Stanley, on a fait aussi. Donc ici, on est pas mal. On a tout fait. Maison d'invité. Ben, on n'en a plus du coup de maison d'invité. Vu que Stanley nous a piqué. La maison d'invité. Je peux en refaire une du coup. Est-ce que c'était celle-là? Et que du coup, on nous l'a piqué. Et j'en vois pas d'autres, hein. J'ai pas l'impression que j'en ai refait. Non, voilà. De toute façon, c'était unique. Ces choses-là ne sont pas uniques. Et ici, c'était là que je voulais aller. Le cellier, on n'en a pas fait. Il faut du tissu de lin et de l'ectoplasme en bouteille, c'est faisable, hein, du coup.
La forge, on en a une? On a une de forge? Oui, on en a une de forge. Corps à la mouton, pour l'instant on va pas en refaire, ça va nous suffire. Concasseur, c'est bon, stalle à vache, c'est bon. Normalement, à part le cellier, on est bon, on aurait tout fait. Les bâtiments sont normalement, j'ai tout mis en suivi, donc on va les vérifier. Donc ici, ce qui va être bloquant, c'est l'ectoplasme en bouteille, la feuille de cristal, et surtout la fleur d'esprit, je suis en train de me dire. On va pouvoir augmenter notre taille de bateau pour éventuellement pour la réorganiser, ça pourrait être pas mal. Donc le cellier, on a vu qu'il nous manquait de l'ectoplasme en bouteille, il nous manque de l'ectoplasme en bouteille, j'ai l'impression de radoter. On peut faire ça, on peut améliorer la ferme de Beverly avec son sofa. Alors, on va le faire tout de suite. Améliorer la ferme de Beverly, qui est toute petite ici, avec son sofa. Voilà. Donc, il reste le classeur à anneaux. Il manque deux ectoplasmes en bouteille. Il va falloir qu'on refasse un peu des ventes pour avoir ça. Donc, l'horloge. Il nous manque de l'or, ça va probablement être ça le plus bloquant. Et on a dit la stalavache de la potion d'expérience. Ça va être carrément bloquant. Du coup, par rapport à nos quêtes, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nos quêtes, on a peut-être des broutilles. On peut aller à Furugawa et à Hawksbury. On est où? On est à South Point. Pas mal de choses qu'on n'a pas fait, hein. Il y a des tons qu'il faudra qu'on aille chercher un jour, qu'on fera qu'on réussisse à avoir un toujours. Hawksbury n'est pas si loin. On peut aller se dire qu'on va à Hawksbury. Par exemple, en disant je passe ici et je passe là. Non, j'ai pas choisi le deuxième marqueur. Je passe ici. Je vais y arriver. Je peux annuler mon trajet. Je peux annuler mon trajet. Ici. Puis là. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué. J'ai les gros doigts qui savent plus. Cliquez. Alors, Stanley est content. C'était incroyable, grand chapeau. Maintenant, on fait des trucs encore plus bizarres. Allons, métier à tisser. Jouons avec le concasseur. Expérimentons. Ho ho ho. C'est si fou. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis oui. Génial. Tiens, de la cochonnerie que tu pourras essayer. Grand chapeau! J'ai entendu les autres parler de leur maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Tout le monde a sa propre cabane dans les arbres? Juste à eux? Oh non, les caisses qui sont en train de se barrer. Pourquoi se donner tout ce mal? Mes parents n'accepteraient jamais une maison pour tout le monde. C'est le plus logique. Moins de ménage. Attends une seconde. Est-ce que je peux avoir aussi une maison? Juste pour moi? Ok. J'ai besoin de papier. Oui, de papier. Tu as trouvé du papier. Je pense que je sais comment en faire. Ma maman mélangeait des choses ensemble pour en faire. Tu pourrais faire ça, non? Eh, merci. Tu es formidable, grand chapeau. Et du coup, on a loupé les caisses. Hein, ce qui devait arriver est arrivé. Hein, bien évidemment, on va pas pouvoir les récupérer. Hein. Vous voyez. Oui, voilà, c'est ça. J'étais partie tellement loin qu'on me voyait même plus. Je savais même pas que c'était possible. Mais c'est un peu, du coup, la déception. Hein. On voulait ces caisses. C'est pas grave, hein. Hé, hey, grand chapeau! Tu as trouvé de la sciure et de la colle!
Ah, ce n'est pas comme ça que maman aurait fait du papier, par contre. Ce papier sera salopé. C'est quelque chose que ma mère disait des fois. Mais si tu peux quand même mélanger les deux, ça sera peut-être encore mieux. Je sais pas. Maintenant, tu dois seulement trouver une façon de le faire. Tu peux peut-être tout chauffer. Ouais, essaie de cuisiner ça. Les meilleures choses sont cuites, non? Il me semble. J'ai plus le droit d'aller dans la cuisine. J'ai fait des erreurs. Ok, donc on a plein de quêtes de chez Stanley. Je sais ce que je voulais te dire. Cet homme de ma ville est un des deux agents immobiliers des alentours. Il vient de commencer et veut faire bonne impression. Il a une moustache géante et porte toujours un smoking. C'est étrange. En tout cas, on dirait qu'il n'arrive pas à vendre une maison, mais c'était le représentant des ventes en chef dans le district pendant 2 ans. Le journal local a sorti une histoire sur lui. Ils ont découvert que sa femme achetait toutes ses propriétés. Elle avait un truc comme 20 maisons en son nom. Tout le quartier était presque vide. Elle pouvait se le payer. Son père avait fait fortune avec l'huile. Je dis ça pour te montrer que tu ne peux pas juger un passant. Bon, alors. Ok. Elle a pêché un peu pendant qu'on regardait pas. Merci Astrid. D'ailleurs, du coup, il y a une recette qu'on n'a pas. Parce que je suis allée voir le wiki. Et on n'a pas essayé juste de mettre une pieuvre toute seule. Pieuvre, celle-ci. Voilà, ça je suis à peu près certaine de ne pas l'avoir fait. Puisque je suis allée voir le wiki pour notre taki machin truc de thon. Notre tataki de thon. Et il faut qu'on s'amuse avec les expériences du coup de Stanley et on va en profiter. On est arrivé. On va pouvoir un peu eh ben, faire notre petite broutille. On plante des trucs en attendant. On sait qu'on va avoir besoin de soie, mais la soie, ça se plante pas ici. C'est parfait. On va avoir la cuisine pour nous tout seuls. On va pouvoir mélanger notre sûre et notre colle qu'on a eu en fondant des souliers. Cela veut-il dire qu'il faut qu'on garde des souliers pour ça? J'espère pas. Visiblement, je peux en plus mettre la colle avec un peu n'importe quoi. Voilà. Je pense que si je mets la colle avec un peu n'importe quoi, je vais obtenir du dégueu plutôt qu'autre chose. As-tu un passager préféré? Attends. Ne me le dis pas! C'est ton secret. J'en ai un, moi aussi. C'est mon secret. Attends. Et si c'était le même? Oh. Oh oh. Maintenant, je veux savoir. Oh non, ça va m'embêter toute la journée. S'il te plaît, dis-moi. Allez. Attends. Non, ne me le dis pas. Oh, merdoum. J'aurais peut-être dû ne rien dire. Tant pis. Oui, t'as un peu faim aussi. On commence doucement à avoir faim, mais. Mais, copain, le bol de céréales, ça marche toujours avec Stanley. Petit déjeuner, exactement le même que le précédent. Génial! On va lui faire un câlin également. Et il nous donne. Ben, un vieux soulier, c'est parfait. Nous, on va descendre en ville. Alors, j'espère que cette fois-ci, ça sera un peu plus fluide que les fois précédentes. Il est prévu que je change de PC, donc. Si ça le fait pas, je ferai peut-être une pause le temps de changer de PC. Donc, on venait ici pour
parler au vendeur de limonade. C'est extraordinaire! Tu as vraiment assuré! J'étais inquiet pendant un instant. Il y a des personnages assez méchants qui me mettent la pression. Pour des citrons! Je sais, hein? Les gens sont complètement fous de ces foutus citrons! En tout cas, tu as fait du bon travail! Merci pour les citrons, et voici un petit quelque chose pour te dédommager! Ok, je me souvenais plus, c'était effectivement le monsieur nous avait demandé d'aller chercher ses citrons et de lui les ramener. Du coup, c'était plutôt rapide. On a de nouveau une petite quête. Je vais aller récupérer ça, voir si on a réussi à faire du papier. Bah oui, on a réussi à faire du papier. Merveilleux. Alors. Mon poussin! Tu te demandes sûrement où j'étais passé ces derniers temps. Je me cachais dans ma maison. Je ne voulais pas sortir. Comme dans une petite ville, le mot est passé. Et les rumeurs ont commencé. Mes murs ne sont pas si épais. Je peux entendre les gens parler. Parler de moi. Ces trucs, ces rumeurs, je veux dire. Ça arrivait toujours quand j'étais en ville. Les gens ne semblent pas changer. Une de mes bonnes amies a toujours été gentille avec moi. Elle me complimentait toujours sur ma coiffure ou sur ma façon de m'habiller. Les compliments affluaient. C'était au moment où j'ai perdu mon frère. Tu te rappelles? Je t'ai raconté l'histoire de ce soudain anévrisme. Pauvre lui. Il promenait son chien, et puis pouf, au sol. Eh bien, c'était dans ce temps-là. Un jour, j'étais chez elle pour une fête dans le jardin et j'ai dû partir plus tôt. Mon mari ne se sentait pas bien. Trop de cocktails. Il avait une petite constitution. Nous sommes partis rapidement, mais j'avais oublié mon sac à main. Je suis revenue 15 minutes plus tard et depuis le trottoir, je pouvais tout entendre. Elle parlait dans mon dos. Elle disait comment je portais la même robe à deux fêtes successives. Elle disait ça d'un ton désinvolte, comme si c'était un fait. Tout le monde sait ça. Elle devrait savoir que c'est ce dont je me rappelle. Comment ça m'a fait me sentir? Je n'ai pas aimé ça. C'est comme ça que je me sens en ce moment. Personne n'aime recevoir de coups de pied quand on est déjà par terre. Je sens que je perds la tête. Et en plus, les autres personnes à bord parlent dans mon dos. Je ne veux pas te mettre dans une situation délicate, mais peux-tu m'aider? Tu peux peut-être faire le tour et voir par toi-même ce qui se passe. Ça sera apprécié. Merci, mon poussin. Ok. Et Stanley, c'est exactement comme du papier! C'est même assez cool! Oui! Ça ira. Donne-le-moi maintenant! Je te gage que je dessine des plans sur ça! Donc on va pouvoir lui. Mais non, non, mais où tu vas? Je t'ai pas donné ton papier. Donné. Il est où mon papier? Il est là. Ça ira! J'ai des crayons dans ma maison. Il y en a plusieurs cachés sous les coussins du sofa. Merci, grand chapeau! Je vais commencer par dessiner le plus beau plan du monde! Les maisons les plus grosses et les plus belles! Peut-être qu'un jour, je pourrai dessiner des bâtiments pour de vrai! Ouais! Un jour! Bon, du coup, par contre, j'ai absolument pas nourri Bruce et Mickey de la journée. Je pense qu'ils vont bouder un peu. Bonne peine! Alors, Bruce et Mickey, pas de crustacés et des choses à deux ingrédients. Vous avez un repas préféré? On sait toujours pas, on n'a toujours pas trouvé. Bah si, pourtant, à manger de la nourriture juste comme maman la faisait. Donc c'est forcément qu'on a trouvé. Mais pourtant, il nous l'a pas dit. C'est pas noté, c'est un peu méchant. Falloir que je cuisine un peu, je pense, parce que tout ça. Je tente les schnitzels. Bouffe gratuite, enfin!
La vieille Bève, dans son dos! Nah! Jamais dit de truc à propos de qui que ce soit. On va pas se mettre à moucharder. La règle d'or, c'est de traiter les aînés avec respect. La famille, c'est tout ce qui compte. Ok. Au moins, ça, c'est clair. Ici, j'ai des œufs. J'ai peut-être du grain aussi, ou je vais oublier d'en remettre. J'en ai plus, forcément. S'il n'y a plus de grain, il y a plus grain. Il n'y a plus rien qui se fait. Ici, on va pouvoir demander à Astrid. Beverly? Je suis bien trop fière pour insulter quelqu'un que je connais à peine. Disons ça comme ça. Ok, je vais te nourrir. Parce que je vais te nourrir. Est-ce que j'ai quelque chose de simple qui serait pas ton petit? T'aimes le simple? Et autre chose que je n'ai pas trouvé. On va essayer de garder ce qu'il y a à garder pour. Eh bien, la quête d'Atul. On lui fait un câlin. C'est toujours ça de pris. Ah, Stanley. Non, c'est Beverly qui nous parlait. Mon poussin! Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Mon dos me faisait souffrir. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu occupé en ce moment? Bah oui. Quoi? Je t'ai pas demandé de faire ça. Je n'ai parlé à personne. Est-ce que les gens me parlaient dans mon dos? Je pense pas qu'ils aient eu le temps de se faire une opinion de moi. Es-tu certaine que je t'ai demandé ça? On dirait un truc que tu ferais par toi-même. Je devrais aller me présenter maintenant. Avec un peu de chance, tu n'auras pas déjà ruiné ma réputation. Oh mon poussin, toujours en train d'essayer de donner un coup de main. Ah oui, donc elle va vraiment pas bien en fait, Beverly. C'est triste en fait. Je voulais. Voilà. Donc on va profiter de la nuit pour eh ben, faire les expériences de Stanley. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on joue dans le concasseur. Sachant qu'il nous a donné des trucs chelous, comme des poireaux. J'ai vu. Alors, le concasseur. Où je l'ai mis, ce concasseur? Je crois que j'ai fait métier à tisser aussi à jouer. Alors, métier à tisser. Ouais. La quête me dit. Voilà. Il faut que je fasse des expériences dans le concasseur, la fonderie et le métier à tisser. J'imagine que ce poireau fait partie des choses avec lesquelles je dois faire une expérience. Expérience ratée. J'imagine que ce minerai de cuivre fait partie des expériences. Ah, ça c'est super intéressant. J'ai le choix entre la poudre chaude et le miel. Non, mais je vais pas mettre mon miel dans mon pauvre miel. Une expérience ratée. Et du coup, ça nous a pas validé. Si, ça nous a validé. On a bien fait les trois expériences dans le métier à tisser. C'est dans la fonderie hein, qu'il faut faire les. La fonderie. Entre la fonderie et la forge. J'ai pas grand chose là pour m'amuser. J'ai le soulier, on sait que ça fonctionne et qu'on va avoir de la colle. Et c'est cool. Même si je sais pas trop à quoi elle va me servir, mais. Savoir qu'on peut faire quelque chose d'utile et pas une expérience ratée, c'est quand même quelque chose de cool. Le poisson, je suis absolument pas convaincu. Hein. On va faire.
chauffer du poisson à très haute température. Ça va pas être très glorieux, mon avis. On va essayer, hein, écoute, oui. On est là pour ça. En tout cas, le cap de métal est une très bonne surprise, hein. Ça veut dire qu'on a moyen d'avoir ces caps de métal par nous-mêmes et pas seulement avec les courses de Francis. Je pense qu'on va avoir une expérience ratée. Voilà, la quête progresse. Et il nous reste le concasseur. On va y aller. Je l'ai mis où le concasseur? De l'autre côté, je crois. Il est où mon concasseur? Est-ce que j'ai mis mon concasseur? Ah, il est là. Alors, on peut concasser un œuf, du maïs. Je pense que la pomme aussi est une nouveauté. Bizarrement, je suis pas très optimiste pour rien du tout, mais c'est pas grave. Sérieusement, concasser un œuf, qu'est-ce qu'on veut obtenir de concasser un œuf? On va peut-être avoir de la coquille d'œuf, hein, on sait jamais. Hein. Œuf coquenant le maïs, ça devait être normal, du coup. Bah du coup, on a fini. C'est plutôt cool. Je pense qu'on va s'arrêter là et je vais finir de passer la nuit en off. Et je pense qu'on va essayer peut-être en off, peut-être pas, mais à mon avis, si je vous fais pas ça en off, ça va être catastrophique. À passer un épisode à rien faire parce que j'aimerais bien attraper du thon pour faire notre tataki de thon et que comme vous le savez c'est vraiment pas mon truc. D'ailleurs on va peut-être continuer un peu à cuisiner, faire des choses. Je peux mettre de l'ail avec des champignons, avec des machins, avec plein de choses. Si je mets mon ail tout seul, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tout simplement, on verra ça lors du prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!